Salut, c'est Manon, je suis à Évian dans les Alpes françaises et je vais rencontrer Pauline Roussin-Bouchard de French Phénomène. Ah, j'adore ici le lac, la montagne, ce que je te disais. Et... Aux États-Unis, tu es surnommée le French Phénomène. Oui. C'est ma fac qui a trouvé ça, The French Phenomène. Ils ont dit elle casse tous les records. Donc, dans mes articles, ils ont sorti deux, trois titres un peu sympas comme ça et du coup, c'est resté. Bon, on va taper quelques balles. Allez. Allez. Ou alors tu peux interloquer le petit doigt et avec l'index. Vers qui tu te tournes quand tu as besoin de conseils? Vers Alain Alberti. 10 ans, 9 ans qu'on travaille ensemble. Et on communique ensemble quand je suis aux États-Unis, quand je suis ici. Et là, il est avec moi sur le tournoi. Attention, celle-là. Tu vas l'envoyer sur la Lune? Ouais. Et franchement, tu la tapes vraiment bien là-bas. Hein. C'est vrai. Franchement, ouais. J'ai un bon coach aussi. Du coup, toi, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui te passionne? Ce qui me passionne, le golf me passionne. Donc c'est une bonne chose. Ouais, sinon t'en ferais pas. Et puis après, je suis un peu tous les sports. En fait, il faut pas que tu essaies de la mettre haute. Tu peux juste faire des petits bonds comme ça. Ok. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un un peu comme toi et moi qui commence sa carrière ou qui rêve d'être sportif de haut niveau? Moi, je dirais que c'est le plus important, c'est de prendre plaisir. Est-ce que pour toi, c'est important de rester authentique, de rester... Pour moi, c'est un des trucs les plus importants. Déjà, ça donne une image qui donne envie de pratiquer le sport ou de faire du sport, surtout avec les jeunes. Presque. C'était sur Mars. Ouais, à côté. Bon, merci beaucoup, c'était trop cool en tout cas. C'était cool, vraiment, franchement. Super cool.